Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'inflation en astrologie. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo sur l'évolution de l'inflation. Donc actuellement, c'est vrai qu'on vit une inflation assez forte depuis, on va dire, le début de l'année 2022, hein, fin d'année 2021, début d'année 2022. Donc je vais vous faire un petit historique d'inflation donc depuis le siècle dernier, hein, depuis 1900 en France. Pour nous montrer toutes les causes possibles de l'inflation. Donc il y a plusieurs périodes donc, au cours de l'histoire où l'inflation a été forte, donc dans le monde, mais on va se focaliser plutôt sur la France. Alors notamment les périodes d'après-guerre, hein, celle de donc, la Première Guerre mondiale 14-18 et la Seconde 39-45, avec une inflation très forte, hein, notamment dans les années 20, les années 48. Elle a eu la crise économique mondiale suite au krach boursier de 1929. Il y a eu la récession Eisenhower dans les années 50, la fin des accords de Bretton Woods sur la convertibilité du dollar en or avec le premier choc pétrolier de 73, la politique d'austérité des années 80, hein, 80, de 80 à 83 environ, le passage de l'euro aussi un peu en 99, même si c'était beaucoup moins fort. Et là, actuellement, on peut parler aussi de la crise de 2008 aussi, et la crise, surtout Covid, donc de 2020, et enchaînée avec la guerre en Russie, de la guerre de la Russie contre l'Ukraine de 2022, qu'on vit actuellement. Donc, savoir un peu les perspectives, où est-ce qu'on va, est-ce que ça va durer? A priori, oui. Mais est-ce que l'inflation va augmenter? Est-ce qu'elle sera forte? On parle d'une inflation à deux chiffres. Alors, l'inflation, bah, c'est la hausse des prix. Sur les produits donc ménagers, alors alimentation, mais aussi tous produits confondus, donc produits divers et variés. Et ça aussi, en même temps, il peut y avoir aussi la baisse de la monnaie qui impacte aussi cette inflation. Alors, les années 30, c'était un cas particulier, c'était un moment de déflation, donc c'était pas de l'inflation, c'était le contraire, les prix étaient bas. Donc les prix étaient beaucoup moins chers, mais il y avait un fort chômage, donc moins d'activité. Et donc c'est presque aussi grave, même plus grave des fois qu'une inflation. Ça dépend aussi du type d'inflation. Si une hyperinflation, comme à l'époque de la République de Weimar, par exemple, ou à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que là c'était assez inquiétant, assez dangereux. Comment dire, on utilisait une brouette de billets pour aller acheter son pain. Alors j'espère qu'on n'en sera pas là, je pense pas, mais bon, tout est possible après, parce qu'on est aussi dans une crise aussi monétaire, aussi importante, donc si on ajoute les deux facteurs, c'est vrai que ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, on va essayer de voir au niveau astrologique si y a des périodes qui se répètent, et pourquoi on voit qu'il y a des périodes qui se répètent, et que en fait, tout est cycle, hein, donc cycle au niveau naturel et donc astrologique, hein, tout est lié. Alors je vais commencer donc par ce petit tableau récapitulatif, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, donc guerre 14-18, crise des années 20, krach boursier, guerre 39-45, donc l'effet de la planche à billets après coup, avec les politiques d'austérité, choc pétrolier des années 70, il y en a eu deux, en 73-79, politique d'austérité dans les années 80. Le passage à l'euro, alors on voit après, hein, il y a beaucoup moins d'inflation forte, hein, à partir des années 85. Et là, guerre en Ukraine, on voit ça remonte un peu plus. Alors c'est vrai que c'est pas au niveau de la Seconde Guerre mondiale pour le moment, heureusement. Donc, je vous ai mis aussi les périodes d'inflation. Alors, période d'inflation, donc, avec les taux, hein, donc. On a l'inflation moyenne annuelle donc sur l'année avec un inflateur cumulé comme on dit, mais alors ça bon, je vais pas rentrer trop dans le calcul de ça, c'est particulier, je suis pas économiste non plus. Donc ce qui est important de voir, c'est que déjà après-guerre, donc 14-18, 39-45, le pays était en ruine, donc il fallait tout reconstruire. Donc s'ensuit souvent une période de très forte croissance où l'offre est en retard par rapport à la demande. Du fait de la difficulté de rembourser les dettes de guerre, le franc
perdre son attractivité et dévaluer à plusieurs reprises, rendant les importations plus chères. Ceci génère de l'inflation qui atteint alors des niveaux records, avec des pointes annuelles de près de 40% dans les années 20, pendant les années folles, et de 60% en 1948. Donc ça a commencé, hein, dès 45, fin de la guerre, et ça continue à augmenter jusqu'à 60% environ. On va dire le taux d'inflation le plus élevé. Alors c'est vraiment l'époque où on a eu, on va dire, du siècle, où c'était le taux d'inflation le plus fort, hein, dans l'histoire du monde et de la France du coup. Ensuite, on a eu la crise économique mondiale suite au krach boursier de 1929 aux USA. Alors ça a touché la France avec un peu de retard, donc 2-3 ans après, hein, 31-32, donc le PIB a baissé, le gouvernement baisse ses coûts, notamment pour les salaires, et donc c'est ce qu'on appelle la déflation. Hein, on est rentré en déflation jusqu'en 1935 en France. Ensuite, il y a eu la récession Eisenhower. Donc ensuite, toujours pareil, ça venait des États-Unis, donc fin 57, début 58, taux d'inflation était à 15%. Ce fut la récession économique des USA qui s'étendit par la France à la France par la suite. Après, on a eu la fin des accords de Bretton Woods sur la convertibilité du dollar en or, premier choc pétrolier de 73. Alors les États-Unis mettent fin à la convertibilité du dollar en or en 71, car plus tenable. Le dollar se dévalue, entraînant une envolée du cours du pétrole, dont le prix est multiplié par 4. En 1974, le taux d'inflation était à 13,7, avec un pic d'inflation de 24,5% en 75 suite au premier choc pétrolier. Ensuite, on a eu la politique d'austérité de 1983, donc période allant de 81 à 82, où le taux d'inflation repart fortement à la hausse, avec une pointe à 13,6 en 80. L'arrivée des socialistes au pouvoir en 80 se traduit par une politique d'État-providence dans un premier temps, vite remplacée par une politique d'austérité devant l'inefficacité de la relance et la mise en place des finances publiques. Ceci passe principalement par une désindexation des salaires par rapport à l'inflation pour stopper la spirale inflationniste. Donc montée du chômage et une croissance faible qui reste élevée jusqu'en 1983. L'inflation est contenue en dessous de 5% à partir de 1985 et même à 2% dans les années 2000. Donc, il y a eu le passage à l'euro en 99, hein, l'euro a été créé le 1er janvier 99 avec la fixation irrévocable du taux de change des monnaies nationales, euro scriptural pendant 3 ans. Les pièces et billets ont été mis en circulation au 1er janvier 2002, euro fiduciaire. Pas d'impact significatif sur l'inflation mesurée, alors que fort ressenti d'augmentation des prix importants vus des consommateurs. Mais ça, c'était les prix. En fait, l'indice des prix n'a fait que de monter, en fait, même depuis les années 70. Hein. Alors, crise du Covid, ensuite. Alors, il y a eu la crise 2008, donc il y a eu une petite inflation, mais voilà, c'était pas non plus énorme. Et crise du Covid 2020 et guerre en Russie contre Ukraine en 2022. Donc, gestion de politique de la crise Covid passe par des confinements successifs avec une mise à l'arrêt de tout le pays. En sortie de crise, la demande repart à la hausse comme contre-coup des confinements et des restrictions imposées, alors que les stocks de produits sont vides et que le système de production mondial nécessite du temps pour un retour à pleine capacité. Donc, il y a des contre-coups. Donc ces tensions offre-demande génèrent des hausses des prix. Se rajoute la guerre donc Russie-Ukraine en février 2022, qui va complètement déstabiliser le marché mondial de l'énergie, pétrole et gaz, dont le cours s'envole, aussi avec la cause des sanctions aussi qu'on a prises contre la Russie, forcément. Donc cela induit une forte inflation dans les produits énergétiques dans un premier temps, gaz, électricité, etc., avec une diffusion à tous les autres produits dans un deuxième temps, donc notamment alimentaire et autres. Donc l'inflation repart à la hausse avec des niveaux entre 6 et 10% actuellement. Donc là, novembre 2022, le taux d'inflation total en France est de 6,2% énergie plus alimentation selon normes INSEE et 7,1% selon les normes Eurostat. On prévoit une inflation jusqu'à 10% en 2023 environ. Inflation à deux chiffres. Donc voilà pour le petit historique économique. Voilà, alors ce qui est intéressant de voir en astrologie, déjà, c'est par rapport à l'indice cyclique. En effet, à chaque fois qu'il y a une période d'inflation ou de crise, de forte crise, hein, comme la première ou seconde guerre mondiale, on peut observer qu'il y avait un indice cyclique assez bas. Forcément, c'est des périodes assez difficiles, assez de crise et de tension forte. Donc, comme je vous rappelle, l'indice cyclique, hein, c'est comment dire, planétaire, c'est la concentration des planètes. Dans le zodiaque, plus les planètes sont serrées, plus on dit que l'indice cyclique est bas. Et plus les planètes, on va dire, se répartissent, on va dire, dans le zodiaque,
pour généraliser, hein, plus l'indice cyclique remonte et plus haut, et donc il y a une période de détente, donc moins de tension au niveau mondial, quoi, en général. Donc forcément, Première Guerre mondiale, tension assez forte. Donc on voit que l'indice cyclique était au plus bas dans les années 20, hein, 19-20, fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, juste après, période d'inflation, hein, reconstruction de la guerre, tout ça, donc demande beaucoup d'argent, de problèmes d'inflation. On voit pareil pour donc 39-45, hein, on voit 45 c'était au plus bas, 44-45 ça remonte un tout petit peu à partir de 46, et c'est là qu'on a le contre-coup avec l'inflation. Et donc on voit le même schéma à chaque fois pour les autres périodes, donc les années 50, comme j'ai parlé, la période donc la crise aux États-Unis, hein, premier choc. Voilà, le premier choc économique. Donc on voit hein, 57, 58, ça repart un peu à la hausse, et bah, c'est à ce moment-là qu'il y a eu de l'inflation. Alors il y a eu les années 60, il y a un petit creux, mais on voit qu'il est quand même bien au-dessus de la moyenne, donc là on n'en parle pas. Par contre, à partir de 60. Alors c'est vrai que le premier choc pétrolier, ça a remonté, et c'était assez haut, donc c'est vrai que là ça correspond pas trop, mais par contre. À partir du deuxième choc pétrolier, on voit que ça a fortement chuté. Hein. C'est un des indices les plus bas qu'on a eu de la décennie, enfin du siècle qui est passé hein, avec l'époque actuelle. Donc on voit que jusqu'en 83, donc l'époque où il y a eu lieu, bah, l'inflation s'est prolongée en fait de 73, premier choc pétrolier, jusqu'à 83. On voit que l'indice cyclique était au plus bas, puis après il commence à remonter. Les années 90 avec l'euro, 99, pareil, ça remonte un peu, on voit il y a eu un petit creux, un petit pic. Ensuite, on a les années 2000, notamment avec la crise 2008 à 2010, on voit que l'indice cyclique, il y a un petit creux là. Alors c'était la crise monétaire, la crise de l'euro là, notamment la Grèce qui était la première à avoir le plus de problèmes. Hein. Et donc ça remontait par la suite, et ensuite vient donc à partir de 2015 hein, une chute forcément. Et puis alors on a eu les attentats à Paris, enfin il y a eu pas mal de choses, les gilets jaunes et la crise Covid. À partir de 2020, indice cyclique en dessous, et 2022-23 on voit crise, la guerre en Ukraine, énergétique, hein, tout s'est enchaîné en fait, et on voit que ça commence à remonter doucement de 2024-2025. Donc l'inflation logiquement devrait continuer jusqu'à cette période, et on voit qu'après 2026, comme je vous ai déjà dit, on ressort la tête de l'eau, entre guillemets, on repasse un peu au-dessus de la moyenne là, et donc on voit que la détente se fait vraiment fortement. Donc on peut laisser à supposer, selon cette comparaison, qu'à partir de 2026, en gros, voilà, il y aura moins d'inflation, a priori. Alors, comment on voit aussi au niveau planétaire, donc bah, l'inflation, donc on peut le comparer avec notamment un cycle très important en astrologie qui est représenté par donc la planète Jupiter. L'inflation, c'est tout ce qui grossit, tout ce qui augmente. Donc forcément, Jupiter qui parle notamment de tout ça et notamment aussi des finances, hein, de l'argent. Il ne faut pas oublier que Jupiter peut représenter aussi les finances avec Vénus. Donc Jupiter amplifie toutes les planètes qui l'aspectent. Hein. Et donc là, en particulier actuellement, donc Neptune en poisson, depuis qu'il y a eu en fait l'inflation, hein, début 2022, on va dire. Le cycle a commencé à se former à partir de là, et exact en avril, là. Donc l'inflation a commencé fortement là. Donc on sait forcément, si on regarde ce cycle Jupiter-Neptune, alors pas forcément en poisson, mais juste le cycle Jupiter-Neptune à travers bah, ces périodes-là, on retrouve, vous allez voir, que l'inflation est présente à chaque fois. Alors on l'a vu pour le gaz, notamment avec Neptune en poisson, mais aussi l'essence, hein, qui représente le liquide, donc l'argent aussi par extension, la planète Vénus aussi, comme je vous ai dit, peut être concernée, notamment par rapport à l'alimentation, hein, l'argent, l'alimentation, maître du taureau, de l'axe de 8, du signe du taureau, etc. Donc, comparons donc ces différentes périodes. Alors, on a commencé par les années 1919-1920, où le taux d'inflation était à 39,5, pratiquement 40%. Donc à l'époque, donc c'était la Troisième République française, hein, les années 20. Donc il ne faut pas mettre le thème de Cinquième République. Là, je mets le thème de Troisième République pour voir un peu l'influence de Jupiter-Neptune, le cycle Jupiter-Neptune sur le thème. Donc je vais mettre l'année
fin 2019, fin 1919, pardon. Donc décembre. Alors on voit le cycle Jupiter-Neptune. Alors il est ici, vous le voyez, hein. Donc je vais reculer pour vous mettre l'avancée du cycle. Alors, nous remarquons que le cycle Jupiter-Neptune donc se forme en Lion. Donc je vais avancer, donc on est en juillet de 1919 là. Juillet, voilà, donc en août il passe en Lion. Donc le cycle commence à se former. Vous voyez, Jupiter-Neptune ici. Et il y avait également l'opposition Saturne-Uranus dans le ciel. Donc on voit que Saturne, ici, donc fin Lion, début Vierge, oppose Uranus en Poisson. Alors c'est intéressant parce que le cycle Saturne-Uranus, c'est le cycle des crises économiques. Donc on l'a actuellement en carré, hein, donc en 2022. Uranus en taureau, carré Saturne en verseau, et là il est en opposition. Donc voilà, ça rajoute, si vous voulez, on va dire de l'importance. Donc voilà, crise importante à ce niveau-là, hein, à ce moment-là. Donc ça a commencé donc à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918 dans l'axe Lion-Verseau. On retrouve aussi pendant cette période d'inflation l'axe des nœuds Taureau-Scorpion. Donc on voit que le nœud nord terminait son passage en Gémeaux, hop, il passe aussitôt en Taureau. Août 1919, donc nœud nord en Scorpion, nœud sud en Taureau. Donc là, c'est inversé actuellement en 2022. On a nœud nord en taureau, nœud sud en scorpion, mais on voit que l'axe taureau-scorpion est valorisé, hein, par rapport au nœud lunaire. En plus, il y a la lune noire en scorpion à l'époque. Donc forcément, l'axe taureau-scorpion, ça a rapport avec les finances, hein, c'est les signes d'argent, de manière générale. Les signes des finances en astrologie. Donc en 1926, ensuite, alors attendez, le cycle Jupiter-Neptune, vous allez voir. Voilà, il était exact ici, 1919. Ensuite, on voit Jupiter se sépare de Neptune, il avance plus vite, mais il y a un passage rétrograde. Donc il revient, vous voyez, en 1920, mars 1920, voilà, il revient en conjonction. Le cycle se reforme en Lion, voilà, et après Jupiter revient direct en 1920, voilà, avant de s'éloigner définitivement de Neptune. Donc juillet 1920, juillet-août, voilà, après il passe en Vierge, en chute. En exil, pardon, chute exil, et il va rejoindre Saturne d'ailleurs. Donc 19-20, on voit pendant bien une bonne année, il était, on va dire, en influence sur le cycle. Alors ensuite, il y a eu 1926, parce que 1926, il y a eu une forte inflation à ce moment-là aussi. Alors, c'était l'hyper, avec un taux de près de 30% environ. Hein. Donc on retrouve le cycle Jupiter-Neptune, mais cette fois en opposition. Et encore une fois avec la lune noire dans le coup. Alors je vais reculer un peu. Vous voyez, on voit, voilà, Jupiter qui était fin Verseau. Voilà, il y a la lune noire conjointe à Neptune. Donc il y a Jupiter, voilà, qui arrive fin Verseau, qui oppose Neptune. Alors, attendez, j'ai avancé pour qu'il vous mette. Ah oui, alors il va pas mettre l'opposition, ce qui ne met pas les oppositions des planètes en transit, c'est qu'avec les planètes natales, transit avec les natales. Donc là, c'est normal que vous ne voyez pas le trait rouge en face, millier. Hein. Donc Jupiter, donc 25, Neptune 22, donc en 1926, avec la Lune noire aussi, après, elle se détache. Voilà. Et en plus, il y a un passage rétrograde, encore une fois, de Jupiter, hein, parce que l'inflation ne se fait pas. Voilà, en général ça se fait sur un an, donc il y a toujours un passage rétrograde avant de se reformer, voyez, reformer l'opposition, fin 2026, début 2027, voilà. Donc on revoit encore ce cycle, hein. Et voilà, après Jupiter s'éloigne, il rentre en poisson, il s'éloigne de l'opposition, février 2027. Voilà, donc ensuite l'année 1932-33, donc là c'était le taux de déflation à moins 8,3. Je ne sais pas si ça se dit taux de déflation, enfin il y avait de la déflation. Donc là c'est l'inverse de l'inflation, alors bah, les prix qui chutent, hein, donc moins 8,3%. Alors c'est le début de la Grande Dépression, période de déflation, cycle Jupiter-Neptune en Vierge. Donc on le voit ici, hein, septembre 1932. Donc on voit, hein, Jupiter-Neptune dans le signe de la Vierge, donc on dit que ces planètes sont en chute et en exil, parce que c'est le domicile, ces planètes-là, du Poisson, le signe d'en face. Donc ça donne un indice quand même plutôt négatif. Alors la déflation, c'est pas non plus positif, c'est même plus grave a priori que
une inflation, enfin en tout cas une certaine inflation, parce que ça peut, voilà, c'est la chute de, comment dire, c'est la baisse de l'économie, donc voilà, il y a moins d'activité, plus de chômage, donc voilà, c'est pas forcément mieux. Donc on voit en même temps, si on regarde bien, il y avait aussi ce qui se formait, encore une fois, le cycle Saturne-Uranus en carré dans le ciel. Donc il y avait un carré qui se formait, donc un peu avant quand même. Parce que Saturne, il a fait, voilà, en Capricorne, il commençait son carré en 31. Donc en fait, faut savoir que la crise de 29, elle est arrivée d'abord aux États-Unis. Hein. Donc forcément, le carré Saturne-Uranus, c'est le cycle des crises marqué par les États-Unis. Donc forcément, ça commençait à se faire sentir voilà, 2 ans avant, avec ce carré quand même qui était bien présent, on va dire, dans les années 30-31. Voilà, on voit. Hein. Voilà, les années 30, donc juste après la crise de 29, on voit que le carré Saturne-Uranus, donc Saturne en Capricorne, carré Uranus donc en Bélier, donc ça c'est dans le ciel, donc ça c'était pour tout le monde, mais ça touchait principalement au départ les États-Unis. Et donc après, on voit que ça commençait à opposer l'Uranus de la France, hein, de la Troisième République française, hein, donc le cycle Saturne-Uranus se forme en carré dans le ciel, mais aussi au natal, dans le thème de la France, en 31, et ça va réactiver un T carré, vous allez voir. Donc on avance, voilà, donc on arrive en 32, et là on voit, donc Saturne est toujours opposé à Uranus, mais l'Uranus transit commence à faire un carré aussi à l'Uranus natal de la France, et donc à Saturne, alors un peu large, c'est vrai, mais comme Saturne, enfin Uranus maîtrise Saturne, là c'est important aussi, hein. Il y a plus de puissance, on va dire, par rapport à l'aspect. En plus, il y a un passage rétrograde, vous voyez. Donc, fin 32, il y a encore l'opposition qui est présente. Et là, le carré, il se fait de plus en plus présent. Donc, un grand T carré. Hein, donc, Saturne, Uranus natal et Uranus transit. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein, ce que je veux dire. Un triangle rouge. Donc, en plus du cycle Jupiter-Neptune. Alors, il commence à se défaire aussi après, en 32. Hein. Et pareil, il y a les nœuds lunaires qui viennent. Alors, pas en taureau-scorpion, mais. Ils étaient proches de. Enfin, ils passaient sur on va dire, le cycle Jupiter-Neptune à ce moment-là aussi. Donc, forcément, ça redonne de l'importance, on va dire, à l'aspect, enfin, au cycle, au problème géopolitique, on va dire, géo-économique. Voilà, donc, et puis après, en 1933, ça commence à se défaire. Bon, après, c'était la montée d'Hitler, mais là, c'est autre chose, on est sur la France. Donc, voilà, on voit qu'il y a quand même des marqueurs. Alors, il pourrait y en avoir d'autres, hein, notamment je vois Pluton sur l'Uranus. Voilà, je peux aussi oublier quelques aspects. J'essaie de regarder. Ouais, voilà. Bon, c'est surtout ça. Hein. On va rester sur le cycle Jupiter-Neptune. Alors ensuite, les années 45 à 48. Donc taux d'inflation à 58,7%, pratiquement 60%, le plus haut, donc en 48. Mais ça a commencé dès 45, hein, avec des niveaux assez élevés. Donc le cycle Jupiter-Neptune se forme à la fin de la Seconde Guerre mondiale en balance, qui est le signe de la paix. Donc on voit Jupiter, il transite en balance ici. Donc il rejoint Neptune, encore une fois. Et d'ailleurs, on voit que Neptune commence à passer sur le Mercure de la Troisième République. Jusqu'en 1946. Alors pourquoi? Parce qu'après, en 1946, on passe en Quatrième République. Donc Neptune de la 4e République sera d'ailleurs au même degré que le Mercure de la 3e République en octobre 46, date de la constitution de la 4e République. Voilà, donc on voit Neptune, il est ici. Forcément, il est passé dessus, on a refait une constitution et Jupiter était plus loin. Alors, cependant, l'inflation explose du fait de la difficulté à rembourser les dettes de guerre. L'année 1948 est l'année où l'inflation est la plus forte. Alors en effet, alors je vais vous mettre l'année 48. Alors 1948. Voilà. Donc on a Jupiter qui transite. Enfin Jupiter transite encadre le nœud sud et la lune noire moyenne de la 4e République. Donc là on voit à partir de.
Donc début, fin 47, début 48, vous voyez, il y a un, alors ça forme un sextile, du coup, c'est pas un carré. C'est là que c'est un peu. Voilà, ça peut donner aussi une différence, du coup. Mais ce qui est important de voir, c'est que. Donc Jupiter était sur le nœud sud, vous voyez, les lunes noires là, de la 4ème République. Dans son signe domicile, donc en Sagittaire. Donc on dit plutôt que c'est un aspect dit karmique, hein, qui a un lien au niveau financier, parce que Jupiter est maître de 2 aussi, de la 4ème République, et Neptune aussi. Cependant, il est sextile au Neptune en 8, comme je vous ai dit. Donc là, en bon aspect, par contre, c'était pas en carré. Comme au natal. Natal, ouais. Comme il n'est pas trop éloigné encore, il y a encore ce sextile. Si je clique dessus, je ne sais pas si on va le voir, là, on voit un petit trait bleu. Voilà. Donc entre Jupiter et Neptune. Mais cette dernière est en opposition à sa lune natale en 2. On voit que la lune est opposée en 2, là, est opposée à Neptune. Donc natal et transit, forcément. Cet événement se situe donc forcément 2 ans après la constitution de la 4ème République, ce qui indique une période trouble aussi au niveau économique. Et on trouve encore une fois une opposition Uranus. Uranus ici, ainsi qu'un axe des nœuds taureau, scorpion. Voilà. Donc on a avancé, Jupiter, voilà. Il fait l'opposition Uranus. 48, voilà. Donc il rétrograde, il forme à nouveau. Donc l'aspect. Alors c'est un aspect de sextile, c'est vrai que cette fois-ci, bon. C'est particulier, je suis un peu étonné d'ailleurs que ça fasse un sextile, mais bon. En tout cas, on retrouve l'axe des nœuds aussi, ce qui est assez étonnant. Peut-être l'indice karmique qui fait que la lune noire, voilà, c'est peut-être important avec le nœud sud, je sais pas. Il y a aussi l'histoire du Saturne-Pluton aussi, qui est important, parce que c'était formé, c'est le cycle des guerres, hein, Saturne-Pluton, et on a même Vénus là, en transit qui passe dessus, bon, ça c'est assez rapide. Mais ça fait quand même un carré à Jupiter, donc. Ça peut jouer aussi, ce cycle de Saturne-Pluton. Alors ensuite, on a la récession Eisenhower donc de 58, donc qui touche la France à partir de cette année, donc taux d'inflation à 15,1%. Alors cette fois, nous trouvons alors le Saturne transit qui encadre le nœud sud et la lune noire moyenne. Donc on avait vu Jupiter donc pour l'année 48 qui était ici. Là maintenant, c'est Saturne à la même place. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a voilà, un relais en fait qui se fait. Donc comme je vous ai dit, c'est la récession Eisenhower qui vient des États-Unis et une opposition donc à Uranus natal. Donc le fameux cycle des crises économiques. Alors encore une fois, on dit souvent c'est le cycle des crises qui est notamment marqué par les États-Unis. Et forcément, encore une fois, cette récession vient des États-Unis, donc il n'y a pas de hasard. On a aussi le Neptune transit ici, donc en mètre de 2, donc toujours en hein, mètre de 2, qui est sur Mercure natal, Mercure de la 4ème République française, qui est le mètre de 8 d'ailleurs, et carré la conjonction Saturne-Pluton et Uranus transit. Donc on voit que c'est carré à la conjonction Saturne-Pluton, ce que je vous ai parlé, hein. En plus il y a Uranus dessus. Uranus transit. Donc ça fait beaucoup, quoi, si vous voulez. Là, il y a quand même des aspects assez puissants. Donc, notamment donc, l'opposition dans le ciel, hein, Saturne-Uranus, Saturne transit Uranus natal, et Uranus transit sur le Saturne natal, carré, le cycle Jupiter-Neptune, où il y a Mercure, Mars, voilà. Espèce d'amas là, en 9, en scorpion. Donc, et on a encore une fois l'axe des nœuds Taureau-Scorpion. Donc nœud sud en taureau, nœud nord en scorpion. On retrouve toujours les mêmes répétitions. Donc l'axe financier. Ensuite, à partir d'octobre 58, on retrouve le cycle Jupiter-Neptune, donc, qui est en train de se former, de la 5ème République qui a été fondée à cette époque-ci. Donc encore une fois, il y a eu voilà, la 5ème République qui s'est formée donc, juste à ce moment-là aussi. Voilà, donc on le voit, le cycle Jupiter-Neptune, ouais, en scorpion.
3-4 degrés. Donc on voit, c'est étonnant que voilà, il y a des similitudes. Alors ensuite, on a l'année 74 avec le premier choc pétrolier, avec un taux d'inflation à 13,7%. Alors j'ai mis au moment du choc pétrolier de 73, donc un an avant, on avait Saturne transit qui opposait le Saturne natal de la France. Donc là, vous voyez qu'il y avait quand même une grave crise, là, enfin quelque chose d'assez important. Quand c'est Saturne, ça touche l'État, c'est souvent assez important. Donc là, c'était la crise de le choc pétrolier, là. Et en plus, il y avait la lune noire. On retrouve lune noire dessus, hein, sur le Saturne. Donc quelque chose de karmique en même temps. Alors ça parle peut-être aussi des hydrocarbures, alors c'est plutôt avec Pluton, mais voilà. Et surtout, Jupiter en poisson, donc forcément le cycle Jupiter-Neptune, qui se forme dès l'année suivante, donc en 74. Voilà, donc on voit que Jupiter arrive en poisson et il commence à former cette fois-ci le carré. Donc là, c'était pas un sextile, c'est un carré. Voilà, donc réception mutuelle, hein, parce que Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, alors aussi du Poisson, c'est vrai. Et Neptune est en exalté, là, en exaltation au Sagittaire, et c'est la planète du Poisson. Donc on dit qu'ils échangent leur domicile, ce qu'on appelle une réception mutuelle. Et on a aussi, encore une fois, Uranus transit en Scorpion, qui est conjoint au cycle Jupiter-Neptune. Alors il commence à arriver dessus, donc en 74, vous voyez, rétrograde sur le nœud nord de la France. Donc un passage important pour la France. Et là, voilà, il passe en Scorpion fin 74, donc il réactive le cycle Jupiter-Neptune. Donc en même temps, il y a le carré Jupiter-Neptune. Alors je peux pas l'afficher, hein, parce que c'est, comme je vous ai dit, c'est les planètes en transit, entre elles, elles s'affichent pas. Mais on voit bien 9 degrés Poisson, 9 degrés Sagittaire, donc il y a un carré qui se forme, un trait rouge là, entre les deux planètes. Donc aspect d'inflation. Uranus qui réactive le cycle Jupiter-Neptune de la France, hein, qui tombe dessus, voilà, commence à tomber dessus, voilà. Même en 75 d'ailleurs. Il y a rétrograde, donc après tout là. Mais bon, ensuite Jupiter s'éloigne. Mais bon, la crise du choc pétrolier, c'est. Voilà, on va dire que de 73 à 85, c'était un peu là, en hein, 83, 85, donc forcément ça durait presque 10 ans. Donc il y a une perte d'accalmie, on va dire, et c'est vrai qu'après, bah, ça a repris. Alors on n'avait pas les axes des nœuds Taureau-Scorpion, c'est vrai. On avait l'axe des nœuds Gémeaux-Sagittaire. Mais voilà, c'est passé peu de temps après en Taureau. Hein. Donc à partir de 75, on avait le nœud sud en Taureau et le nœud nord en Scorpion. Entre autres. Alors ensuite, on a le deuxième choc pétrolier, donc à partir de 1979. Donc, il y a eu un taux d'inflation après qui arrive en France donc en 1980 à 13,6%, donc à peu près pareil que le premier choc pétrolier. Alors, un an avant, donc là, en 79, on voit il y avait le Saturne qui est en Vierge qui faisait le carré au Saturne natal de la France. Donc, on retrouve encore le carré Saturne. Alors, il y a eu l'opposition donc pour le premier choc pétrolier, là, on retrouve le carré. Vous voyez? Et en plus, il y a Neptune qui est toujours sur Saturne, là, Neptune transite. Ce qui rajoute une couche. Donc on verra qu'en 2024, bah, malheureusement, on va commencer à avoir le Saturne de la France en poisson qui fait le carré au Saturne natal de la France. Hein, Saturne transite carré au Saturne natal. Donc forcément, on pourra s'attendre encore à un problème à ce moment-là. 2024-2025. Donc là, pour l'instant, voilà, 79, on a ça. On a aussi Uranus en plus qui est en scorpion en transit, qui fait un carré à l'Uranus en Lion. Bon, alors forcément, il ne me le marque pas. Je vais essayer de reculer un petit peu. Il devrait me le marquer là. Ah, il veut pas le marquer. Attendez, je recule. Ah, il y a un effet rétrograde alors. Bon, enfin, il faut imaginer qu'il y est. De toute façon, il y est. Donc il y a bien un carré entre Uranus transit et Uranus natal. Ce qu'on va avoir aussi, ce qu'on a également actuellement, hein. C'est-à-dire qu'on a Uranus, 42 ans plus tard, qui se trouve en Taureau. Hein, donc 43 ans plus tard, là, 79 qu'à 2022, voilà, on a Uranus Taureau qui est carré à Uranus Lion. Il a fait un demi-cycle, Uranus, donc il se trouve en maison 2, à l'époque il était en maison 8. Donc on retrouve les mêmes similitudes, vous voyez. Les carrés d'Uranus, le carré de Saturne qui va avoir lieu juste voilà, l'année prochaine, 2 ans après. Donc voilà, ça indique des similitudes hein, quand même. Alors ensuite, bah, on arrive dans les années 80, là où il y a eu
la conjonction, donc là cette fois-ci c'était un carré Jupiter, Jupiter en Vierge, donc en chute, qui va passer sur le Vénus de la France. Donc on voit en 80, voilà. Et il forme le carré à Neptune dans le ciel. Jupiter donc en Vierge, en chute, carré, le Neptune ici, rétrograde, donc sur le Saturne en plus de la France, exalté, le Neptune. Et en plus, Jupiter passera. Alors il y a Saturne déjà qui passe sur Vénus. Vénus c'est le maître de deux, hein, les finances aussi, on pourrait dire. Et juste après, Jupiter. Voilà. Jupiter qui passe sur Vénus. Vous voyez, en plus, il y a un grand écart là. Donc les finances, voilà, inflation. Inflation la plus élevée en 80. Donc toujours le cycle, hein, Jupiter-Neptune, hein, encore une fois. Et voilà. Donc sur tous ces aspects-là, hein. Alors on pourrait noter par exemple aussi le passage de Pluton lune noire sur le nœud nord de la France, ce qui peut être aussi un indice, par exemple. Voilà. Alors ensuite on passe directement donc à l'année 2022, puisque les taux d'inflation n'ont pas été après si haut, hein. C'était en dessous des 3%, donc ça a jamais c'est resté très bas. Donc là c'est voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un taux d'inflation aussi haut, 6,2% depuis 85. On va dire 85, c'était un fois où il y avait un taux d'inflation supérieur à 5%. Après, c'est descendu en dessous. Alors, forcément, on retrouve le dernier cycle Jupiter-Neptune en Poisson, voilà, qui se forme une dernière fois en fin d'année là, actuellement. Donc, j'ai mis au 24 novembre 2022, car c'est l'aspect le plus proche, on va dire. Hein, on voit qu'après. En fait, juste avant, la planète rétrograde, elle revient direct le 24. Donc, ce sera intéressant de vous parler aussi de Jupiter direct dans une autre vidéo, sur un plan individuel aussi. Donc, il était exact en avril, hein, 2022. Début d'année commence à se former, avril 2022, conjonction exacte. Jupiter est passé en bélier, on a vu pendant une période de l'année, là, l'été, et après, il est revenu, fin d'année, voilà. Donc, dernière conjonction. Donc on ressent encore l'inflation, hein, qui se reforme forcément, qui est toujours présente. Alors est-ce que cette inflation va durer? C'est ça qu'on veut savoir. Donc on va voir l'évolution de tout cela. Alors déjà on a le carré toujours de Mars, comme on a dit. Hein. Alors Mars, bon, c'est autre chose, mais on est quand même à Mars en deux au natal. Et donc il est transit opposé à Saturne natal aussi, hein, quand même. Faut pas oublier, Mars actuellement il est opposé à Saturne. Alors j'avais parlé des grèves qui allaient revenir, on voit hein, là, actuellement, il n'y a pas les grèves, mais on voit que à la pompe, les prix vont augmenter à nouveau. Fini la ristourne de l'État, là, des 30 centimes d'euros, 10 centimes. Donc on voit bien, on est dans une période inflationniste. De plus, les planètes vont arriver en Sagittaire, hein, comme je vous ai dit, là on est encore dans le Scorpion. Mais dès la mi-novembre, là, on va avoir Mercure-Vénus qui va transiter en Sagittaire. Donc forcément, le Sagittaire représente tout ce qui est les excès, donc par extension Jupiter, hein, l'inflation. Donc là, le transit après du Soleil en Sagittaire, on va être dans une période, je pense, assez forte au niveau inflation. Hein. Alors d'autant qu'il y a Mars en face qui oppose. Donc ça va créer forcément des crispations par rapport aux automobilistes, Mars en Gémeaux, les blocages, Saturne, c'est pour ça que je vous dis, ça peut revenir, les blocages, pas forcément terminés. Donc on va suivre ça de près. Hein, c'est important, hein, ce Mars en 3 en Gémeaux, là, opposé Saturne et les planètes en Sagittaire qui vont réactiver, et le carré Jupiter-Neptune en Poisson. Plus, on pourrait même dire Mercure-Vénus en Vierge, le natal. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'aspects dissonants. Alors, bon, je continue. On a aussi le transit donc, de carré Saturne natal et opposé Uranus de la 5e République. Donc, faut pas oublier que, comme je vous ai dit, il y a toujours le carré Saturne-Uranus dans le ciel, hein, le cycle des crises économiques donc, qui vient des États-Unis, et qui reforme le carré natal de la France. Donc, ça qui peut créer vraiment des crispations, voilà, vraiment des bouleversements économiques, Uranus en deux. Et crise de régime, de pouvoir, Uranus en Lion, avec des risques de révolution, de guerre civile. Donc ça, on verra l'année prochaine, surtout, je pense, qu'on aura la douloureuse, avec les prix qui vont exploser. Donc forcément, on s'attend à un taux d'inflation à deux chiffres, c'est-à-dire qu'on remonte à partir de 10% dès 2023.
Donc ça, on peut le voir notamment donc dès mars, le fameux mois de mars, quand Saturne va transiter donc le Poisson, Pluton le Verseau. Hein, Saturne en Poisson et le nœud sud sur le cycle Jupiter-Neptune en plus. Donc on a le nœud sud sur le cycle Jupiter-Neptune, donc le cycle de l'inflation. Donc passage karmique, un nœud sud, hein, quelque chose à revoir, toujours avec le nœud sud. Ensuite, Jupiter sera en opposition également au cycle Jupiter-Neptune. Donc quand Jupiter va avancer, donc déjà il va passer sur tout l'amas, là, en bélier, lune noire, nœud sud. Alors voilà, encore un indice karmique qu'on avait vu pendant le. Vous vous rappelez, l'inflation. Alors c'était en Sagittaire, mais il y avait cet indice-là, nœud sud, lune noire de la 4ème République, si je ne dis pas de bêtises, ou 3ème, 4ème République, en Sagittaire, si vous vous rappelez, pour voir la comparaison. Et donc forcément, on retrouve un peu des similitudes encore une fois. Donc attention, parce que ça, c'était pendant la fameuse Seconde Guerre mondiale en 48, donc c'était très violent, hein, 60%. Alors j'espère pas que ça ira aussi haut. Donc dès le mois de juin, donc ensuite, on voit que Jupiter il passe en taureau, donc c'est le côté financier, il y a le nœud nord qui est dans le coup. Et il y a l'opposition qui se forme à Jupiter-Neptune, avec toujours le nœud sud dessus, comme il y a le nœud nord là. Ça marche par axe. Alors là, attention, parce que ça peut donner une forte inflation. Jupiter-Neptune, le cycle Jupiter-Neptune opposé à Jupiter, justement. Et en plus, il y a le carré Pluton dans le ciel. Pluton, c'est les hydrocarbures, l'essence, entre autres. Mais ça fait aussi l'argent, le pouvoir, hein, le pouvoir économique. Donc attention, la manipulation aussi peut être par le pouvoir. Alors ça ne dure pas longtemps, heureusement, parce que Jupiter va avancer assez rapidement. C'est l'affaire d'un mois. Voilà, Jupiter, après, il dépasse le carré à Pluton dans le ciel. Et donc de l'opposition à Jupiter-Neptune, heureusement. Mais par contre, Jupiter sera en deux. Et malheureusement, donc ça peut être un pic d'inflation, forcément, à ce moment-là. Hein. Jusqu'à juin, voilà. Tout autant qu'il faut voir l'évolution de la guerre en Ukraine aussi. Alors forcément, là, on est dans un peu un. Comme je vous ai dit, alors peut-être une pause, entre guillemets, enfin, parce qu'on a vu avec l'histoire de Kherson, les Ukrainiens qui se sont un peu. Les Ukrainiens qui se sont. Enfin, les Russes qui se sont retirés de Kherson, parce que les Ukrainiens, comment dire, on dit qu'ils ont gagné, mais voilà, c'est peut-être stratégique. Alors, soi-disant, les Russes préparent, enfin, veulent un peu embourber la situation pendant l'hiver, peut-être en contre-attaquant d'ici le printemps prochain, ce qui n'est pas impossible vu les aspects qu'il y a. Donc peut-être une réactivation de la guerre à partir de l'année prochaine, hein, peut-être les beaux jours, donc des fin de l'hiver, début du printemps. Voilà. Alors j'ai des synchronicités, fortement, le portable se met à sonner. Donc en général, moi je suis très branché et synchronicité, donc je dois pas me tromper. Malheureusement, c'est assez inquiétant. Je vais pas vous faire peur, mais bon, faut être objectif, hein. Donc, ouais, les 10%, ils peuvent être là, même plus. Hein, donc, on va voir, j'espère pas. 10% d'inflation. Et ensuite, alors, à cette période, il y a aussi le carré de Pluton et Vénus transit. Donc, Vénus passera aussi en Lion. Voilà, Vénus passera en Lion, donc il y a un carré. Vénus, c'est le maître de deux, l'argent aussi. Alors, c'est rapide aussi, ça. Ça va pas durer longtemps. Et par contre, il va commencer à y avoir la conjonction à Uranus qui commencera à se former. Donc, conjonction qui a pu avoir lieu dans d'autres. Enfin, j'en ai pas parlé, mais il y avait des conjonctions Jupiter-Uranus aussi à un moment donné. Je crois que c'était pendant la crise du choc pétrolier. Enfin, il faudrait que je. Voilà. Donc, enfin, le cycle Jupiter-Uranus, donc en 2024, donc il va se reformer. Hein. Donc là, je vais au-delà de 2023. Voilà. Alors on voit le cycle Jupiter-Uranus qui se forme en deux, donc l'argent en taureau en plus, de la 5ème République française. Cependant, peut-être quelque chose de positif à ce moment-là, Trigone Vénus natal, maître de deux. Bah, Trigone le Vénus de la 5ème République qui est maître de deux, l'argent, donc ça peut peut-être aider. Et il y aura aussi. Sextile Saturne transit. Alors un petit peu large, ouais, il va commencer à faire un petit sextile, voilà. Saturne transit. Alors après, Jupiter il part vite, par contre, il arrive en Gémeaux.
Donc bon, enfin, c'est minime. Ensuite, par contre, voilà, attention parce que cependant, dès juin 2024, Saturne se transite, fera donc le fameux carré Saturne que je vous ai parlé, comme au premier, deuxième choc pétrolier, là, le carré Saturne. Il y avait l'opposition et le carré, là on le retrouve ici en poisson. Donc carré, une première fois à partir de juin 2024. Et opposé Vénus natale de la 5e République aussi. Hein, on voit, on peut ça faire un gros T carré là. Et il reviendra un an après. Donc un an après, on voit en juillet, donc la Saturne rétrograde. Et quand il va revenir donc en carré exact à Saturne natale et opposé au Vénus transit qui est maître de 2, beaucoup de restrictions. Moi je vois bien, ça peut même pas, alors peut-être la déflation après coup, enfin je sais pas, ou en tout cas une grosse récession économique de la France, là, voire un effondrement, hein. Ça peut être une faillite totale du pays avec des aspects comme ça. Surtout qu'il y avait le carré Uranus, il y avait beaucoup d'aspects quand même dans le coup. Neptune qui conjoint en honneur et qui termine le transit en poisson. Donc après, Saturne reviendra un an après, donc Jupiter opposé Saturne a dit, où le nœud sud transitera dessus. Ah oui, alors c'est vrai, il y a le nœud sud qui transite en plus dessus. Donc quand il y a le nœud sud, c'est toujours important, on a vu sur le cycle Jupiter-Neptune. Et après, il passe sur le Soleil, Mercure, Vénus de la France. Vous voyez? Vénus-Mercure, c'est quand même les maîtres de 2 de la France, l'argent. Côté économique, là, il y a vraiment une épreuve économique pour moi. Le sud, ça tire vers le bas, c'est jamais positif. Hein. Donc tout ça, voilà, n'engage rien de bon, malheureusement. Il y a aussi la lune noire mayenne qui sera sur Jupiter. Là, juste avant. Donc sur le cycle Jupiter, comment dire, le cycle. Ah non, juste après, pardon. Donc, ouais, ça, il passe d'abord sur Mercure-Vénus. Donc en 2023-24, et voilà, 2025, après il passe sur Jupiter-Neptune, donc le cycle de l'inflation. Enfin le cycle de la France qui est, par extension, peut parler d'inflation aussi. Alors lune noire, voilà, c'est toujours un indice karmique assez négatif qui permet de créer un manque ou il y a quelque chose d'un problème par rapport à les valeurs de ces planètes. Donc forcément, oui, ça peut donner encore de l'inflation, c'est pas impossible. En tout cas, une crise sociale déjà. Donc, bon, c'est peut-être lié, hein, forcément. Et il y a le carré Pluton. Carré Pluton qui se forme de plus en plus. Aussi que Jupiter-Neptune, vous voyez. Pluton sera à 3-4 degrés Verseau. Il sera vraiment en carré exact au cycle Jupiter-Neptune. Donc là, 2025, pareil, extrêmement douloureux là, pour la France. Là, ça peut être une destruction carrément de l'État-nation, là, la 5e République. Hein, comme la 5e République et encore des synchronicités, j'ai des notifications qui se mettent à sonner au même moment. Donc vous voyez, c'est vraiment douloureux parce que Jupiter-Neptune, cycle de la 5e République, carré Pluton, c'est dangereux. Hein. Pluton en Verseau, on retrouve les révolutions, etc. J'en reparlerai. Uranus terminera son transit en Taureau aussi, donc dans la maison 2, donc fin 2025. Voilà, ça sera sur Mars en plus, hein. Mars-Uranus, les révolutions soudaines, comment dire, les actions soudaines, et en deux par rapport à un problème économique, donc ça peut être des actions de pillage, de destruction de mobilier, attention, hein, ça peut être gilet jaune, enfin gilet jaune bis, donc un gilet rouge du coup, voire un gilet noir. C'est vrai que c'est pas très. Ouais, ça fait assez flipper tout ça. Voilà, juillet 2025, août, voilà, et après il passe en juillet-août, il passe en Gémeaux. Et il pourrait donc signifier, voilà, une grosse crise sociale et économique, j'ai mis pour la France. Donc il y a beaucoup d'aspects, voilà, qui sont pas très terribles. Alors la seule chose, comme je vous ai dit, qui est positive, c'est qu'après en 2026, on a vu que l'indice cyclique remonte fortement. Donc ça peut. Alors on a un dernier passage d'Uranus en Taureau avec l'aspect rétrograde, hein, qui revient avant 2026, voilà. Et donc, on avait le cycle Saturne-Neptune juste avant. Et les aspects commencent à se mettre en harmonie à partir de 2026. Donc, Jupiter en harmonie avec Uranus après. Quand il passera en Lion, sextile.
Donc que dans le ciel. Hein. Uranus sextile, alors il y avait Neptune juste auparavant, Saturne, et en harmonie avec Pluton. La seule chose positive, c'est ça. Mais après, ça a quand même des répercussions sur le thème de la Ve République française. Donc après, on verra. Ça peut durer quand même. On verra d'ici là, en fait, l'évolution. Là, je suis parti loin. Là, je suis arrivé en 2026. Donc forcément, en plus, on retrouvera la Lune noire sur le cycle de la Lune noire sur le Saturne, encore une fois. Donc un problème par rapport à l'État français, là, quelque chose de karmique. Entre autres, voilà, il y a pas mal de choses à voir. Le Sud sur le Pluton de la France. Maître de 8, hein, finance, on retrouve encore une fois. Hein. Donc, bon, voilà, il y a pas mal de choses. Donc, bon, en tout cas, ouais, c'est pas terrible. Donc, bon, on va se fixer jusqu'à 2025. Pour l'instant, une très forte inflation, sans doute. J'espère pas une hyperinflation. Pas facile de le voir là, mais avec des aspects assez durs. Ça peut, au fil du temps, monter, monter et durer, comme ils ont dit. Hein. Donc, ouais. Moi, 2025-26, eh bien, on retrouve dans ces années-là cette période assez compliquée, hein, malheureusement. Je peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc, en espérant que les dégâts seront limités, que ce ne sera pas aussi terrible que ça. Donc là, c'est difficile à dire par rapport aux chiffres de mesurer un chiffre, un taux d'inflation à tel ou tel chiffre. Là, je peux vraiment pas vous le dire. C'est pas possible avec l'astrologie. Je peux pas vous le dire, mais. En tout cas, il y a quand même des aspects difficiles qui s'enchaînent, même avec peut-être une petite période d'accalmie, peut-être en 2000, pendant un ou deux mois, mais voilà, c'est après on voit que ça recommence. Donc je ne suis pas très optimiste par rapport à la France. Hein. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo sur l'inflation. J'espère qu'elle vous a plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter aussi si vous le souhaitez. Les liens sont en description à la fin de la vidéo et sous la vidéo. Et voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.